Poul est sur Skyrock. Si Poul est sur Skyrock, The Best, c'est le winner. The Best, the winner. C'est bon. On va voir qui sera le winner ce soir. Quelles sont les deux méthodes des deux clasheurs? Place. On y va maintenant, là? Ah ouais, on va y aller, là. Vous êtes prêts, non? Ouais, ouais, bah, je sais pas si l'autre il est prêt. Il a une méthode ou pas, la Valtringue? Bah, on va demander. Ouais, place. Ouais, je suis prêt, mais déjà parle bien parce que je vais t'en coller une. Aux méthodes. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi. Le seul, l'unique, oui. Le vrai. Le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et les méthodes. Alors, Cédric, c'est quoi ta méthode? Moi, c'est la méthode de l'aspirateur. La méthode de ton aspirateur à 540 €, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. C'est ça, l'aspirateur à 540 €. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de l'aspirateur? Une méthode envoyée par mail, parce que vous pouvez envoyer des méthodes. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de merde? Eh oui, la famille. Écoutez, écoutez les supporters de Cédric. Merci, merci la famille, je vous remercie. Nous, la team Lebel, c'est une famille, on est tous ensemble. Ben ouais. Ben ouais, poteau. Donc c'est une méthode que vous m'avez envoyée par mail, c'est une méthode de Lord. Lors de Neos. N'hésitez pas, cédric@skyrock.com pour les méthodes. Et ceux qui veulent rejoindre la team Lebel. Putain, mais tu la donnes ta putain de méthode. Et c'est quoi ta méthode? Je peux parler un peu, putain. Non, bah là t'es lourd, là. Ça nous saoule. Mais j'ai envie de m'exprimer. Alors, exprime-toi, c'est quoi ta méthode? Rembourser. Eh, ma team Lebel, je voulais pas insulter un peu Romano. Non, mais on aimerait savoir ta méthode. Bah, c'est la méthode de l'aspirateur. Oui, non, mais c'est quoi la méthode de l'aspirateur? Tu te fous un aspirateur dans le cul, qu'est-ce que t'en fais, ton aspirateur? Non, je vais te foutre dans le pif, tu vois. Non, ce soir, ce sera la méthode de l'aspirateur. Ouais, ça, on a compris. Mais tu rends fou, le mec, c'est un boulet, quoi. Il l'a dit mille fois. Donc ce soir, je fais la méthode de l'aspirateur. Ouais. Donc c'est la méthode, je viens d'acheter un nouvel aspirateur et encore bien... ouais, un nouveau, un tout nouveau là. High tech, oh là, mon pote, laisse tomber. Et j'aimerais bien le faire tester à la femme parce que c'est un peu une spécialité. Et c'est où chez tu, vous, les femmes. C'est où tu la baises. C'est où ce truc, c'est que c'est pas le clash de la, c'est pas le clash du ménage. Clash du ménage, hein. Ouais. C'est le clash du ménage. Bah si, si, la meuf, elle vient avec, vient tester l'aspirateur et puis je lui demanderai de se déshabiller parce que moi ça m'excite une femme qui passe l'aspirateur toute nue. Mais pourquoi tu n'as pas fait la méthode du grille-pain? Mais c'est, ouais. Mais c'est, ah, c'est quoi? Ouais, mais c'est micro, un autre jour. Un autre complètement débile. Non, non, qu'est-ce que t'en penses? C'est de merde, on galère. Non, mais c'est de la merde, t'inquiète, on est d'accord, Samuel. Pas, t'en penses quoi, Thomas? Mais ça pue la merde. Même Thomas, le supporter, il en veut plus. C'est bon. Non, non, mais Thomas, il me soutient. Il a dit oui, oui, c'est bon. Non, c'est ton supporter qui leur sa gueule. Je le soutiendrai toujours. Même toi, tu me dis que c'en est quand même. Non, non, il l'a pas dit, c'est ton. C'est ta team non, je l'ai qui parlait. Pas dit, je l'ai pas dit. Ah, c'est ta team qui parlait juste avant, connard. Romano, ta méthode. Ah, ça y est, le célèbre connard est de retour. Ah, je sais que ça t'a manqué. Ça te rend nerveux, ce clash. Toi, non, même pas. Bon, moi, ma méthode. Vas-y, prends plus ta méthode de merde. C'est la méthode des morpions. Ah, c'est une sacrée méthode de merde, quand même. La méthode des morpions. Alors, dans l'idéal, il faut que je tombe sur l'homme. Je vais dire que j'ai couché avec sa femme, elle m'a donné des morpions, et ce soir, je viens lui rendre. Et tu penses que tu vas réussir à séduire avec cette méthode? Bah, pour lui rendre, il faut que je la baise. Thomas, t'en penses quoi de sa méthode? Oh, elle déchire! Elle est une voix de travail. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Merci Thomas. Et Samuel, t'en penses quoi de la méthode de Romano? Moi, ce sera toujours mieux que la méthode à Cédric. Non, non, non. On va voir ce que ça va donner. Du morpion, non mais c'est vachement sexuel quoi. C'est parti, on lance le premier appel. L'aspirateur. Ah ouais, mais il y a des délires autour de. Ouais, ouais, bah, il y a des gens qui ont créé des boîtes de chez David. Des ménages à Walpé. Alors on a tiré au sort David. Ouais. David tiré au sort dans tous les annuaires de France on tire. Allô. Et c'est oui, lui. Bonsoir, c'est la David femme là, à David. S'il vous plaît. Oui, je vous le passe. Merci ma belle. T'as eu la femme. Allô à David. Ouais David. Oui. Comment ça va ma poule? C'est qui? Bah c'est Michel, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce que je me suis acheté un petit aspirateur sympa là. Tout dernier cri là, que toutes les options. VD. Et j'aurais bien aimé que ta femme vienne laisser chez moi ce soir. C'est drôle ça. Parce que ça m'excite, tu sais, les femmes qui font le ménage. Ah oui, d'accord, ok. Allez, donc je me suis dit, autant que ta femme vienne faire ça quoi. Allô? Il est parti. Il a raccroché. Allô mon pote? Il a raccroché. Ah, mais hey, ah, il a pas dit non. Le truc, mais c'est une sacrée vie pour. Il a pas dit non. Non, mais il a rien fait là. Non, ah, si, il a dit non, ouais. Mais tu vas pas nous faire croire qu'il a fait un truc là. Ah, mais je fais comme l'autre chauve quand il s'amuse à. Quand il a rien du tout, quand il a rien fait. Ouais, bah tiens, priori, puisque tu parles de l'autre chauve, Romano, à toi. Pas de commentaires sur l'appel de Cédric. Tu veux faire des commentaires? Non, ça va aller. Tu veux qu'on débriefe un peu ou pas? Non, ça va aller. Attends, on va s'occuper de ton appel, gars. C'est qui? Frédéric. Frédéric. Tiens, je vais demander à Thomas ce qu'il a pensé de la performance de Cédric, puisqu'il soutient le Belge. Thomas, t'en as pensé quoi? Thomas, il en pense plus rien. Premier tour. Premier tour, en effet. On va dire tour de chauffe. Allô? 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 Attends. Frédéric. Frédéric. Allô? Oui, Frédéric.
Non. Ah bah il est là, Fredo. C'est qui? Bah c'est un copain à lui. C'est-à-dire? Jean-Louis. Jean-Louis? Ouais, tu peux me le passer, s'il te plaît? Non, il est pas là. Il est où? Qu'est-ce que ça peut faire? Bah parce qu'en fait, je t'explique, j'ai couché avec lui, il m'a donné des morpions et ce soir je voulais venir lui rendre. Bien sûr. Ouais. Connard. Donc, bah, je peux venir là à la maison vite fait? N'importe quoi. La femme à Frédéric. Comme ça on fait l'amour et je t'en donne. Et toi tu les rendras à ton mari après. La femme à Frédéric. Des petits morpions des animaux de compagnie. Beauté. Allez, réponds. Ah, Romano, elle est partie. Bah alors, ma gueule. Ouais, là, il y a eu un problème technique parce que. Au débrief. Il fallait. C'est toujours moins pire que toi, ma gueule. Bah, au moins, il y a eu un peu d'ambiance, quoi. Mais rien du tout, gros. De l'ambiance. Qu'est-ce que tu penses de la performance de Romano? Samuel, t'en penses quoi? Bah, franchement, au moins. Je me suis fait insulter, au moins, ouais. Bon, c'est super sexuel. Je vais mettre la. Ça peut l'être. Les deux teams d'accord. On va faire un deuxième tour, vous pensez pas? Tu vois, même un mec de ta team, Team Le Belge Paca, le connard, il était magnifique. Même lui, il kiffe, tu vois. Ouais. Ah, Team Paca, il peut pas kiffer, gros. D'ailleurs, le Belge, c'est une salope. Sur Twitter, si vous le suivez, vous êtes de la Team Romano, il vous bloque, c'est enculé. Non, ça, non, j'ai bloqué un mec qui m'a insulté, t'es gentil. Plusieurs mecs. Le mec qui va m'insulter, je vais en plus, tu veux pas non plus que je le follow. Bah, faut être sport, Cédric. Ouais, bah, bien sûr. Allô? Julien? Ouais. Ouais, comment ça va, Juju? C'est qui? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, ta femme, elle est à la maison ce soir? Michel? Ouais. Bon, ta femme, elle est là ou pas? Non. Parce que j'avais besoin d'elle. Ah bon, pourquoi faire? Bah, parce que j'aurais bien aimé qu'elle vienne faire le ménage, là. Je me suis acheté un nouvel aspirateur. Et la dernière fois, elle avait fait le ménage chez moi en petite tenue et ça m'avait excité. Donc, je voulais qu'elle revienne refaire la même ce soir. Ouais, c'est bien. Bon, tu veux pas venir à sa place? Non, non. Parce que toi aussi, tu m'excites. Ouais, c'est bien. Je te ferai bien l'amour, mon chéri. Je sens que là, ça t'excite, là. Allô, Julien? Allô, allô? Allô, allô? Allô, Julien? Allô, il a raccroché. Ah, c'est fini, c'est parti. Mais t'as pas entendu la sonnerie, ça? Ah, c'était ça, c'était occupé. Bah oui. Ah, merde. Bah, il a raccroché. Merde, 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 merde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la belle, en plus, du clash de la semaine. Hein. Faut pas déconner, Romano, à toi. Ah bah, allez, c'est parti. Bah, pour l'instant, il a rien fait. À toi non plus. Bah ouais, mais lui, il a strictement rien. Ça, t'as fait de la sacrée merde en barre. Bah, ça a duré plus longtemps que toi, j'ai envie de te dire. Oui, mais non, c'est pas le clash de la durée non plus. Hein. T'avais le mec qui se raccroche à tout, quoi. C'est qui là, tu m'as dit? Bah, tu parles, tu te fais insulter, tu te raccroches à ça. Bah ouais, parce que je kiffe. C'est ni le clash de l'insulte, ni le clash du ménage, ni le clash de la durée, Cédric. Clash du ménage, si, si. Non, non. Bah, c'est ma méthode. Oui, mais non, mais c'est pas compris, c'est le clash. Oh, Daniel, il décroche pas là. Daniel? Ah, Daniel, il est cuit là. Oui, allô. Je crois que Daniel il veut pas te parler. Bon, vas-y, mets voir une petite musique là que je me chauffe un peu. Allô. Jonathan. Jonathan. Tu veux quoi comme petite musique? Dis allô, Jonathan. Ta gueule. Tu veux quoi comme Jonathan, petite musique? Jonathan, bon, il est pas là le mec, allez, vire-moi ça. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Bah, n'importe, un truc, c'est histoire d'attendre quoi, l'appel. Alors, un truc d'histoire d'attendre, Fresh Prince. Ouais, c'est pas mal ça. Prince du Love, c'est ça? Allez, hop là. Bon, on est quoi là? On fait quoi? Deuxième tour encore, Romano? Bah, ouais, vas-y, c'est mon tour, hein. C'est qui là? Laurent. Lolo. Allez, mon Laurent, t'es l'homme de la soirée. Allô? Ouais, la femme à Laurent? Pardon? C'est la femme à Laurent? Non, son fils. Ah, son fils, il est là, ton père? Ouais, il est là. Ah, merci, tu peux me le passer? Ouais, je te le passe. Merci. C'est bizarre qu'il n'ait pas reconnu le prince du hip-hop. J'arrive en mode discret. J'ai pas mis ma fourrure. Ah, t'as pas mis ta fourrure. C'est pour ça qu'il t'a pas reconnu. Ni mes bling-bling. T'as pas du gling-gling, t'as pas de fourrure. Ouais, Laurent? Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Yes. C'est Jean-Louis à l'appareil, un ami de ta femme. Ouais. Un ami intime. En fait, je t'appelais par rapport à un petit souci que j'ai eu avec elle. Je peux t'expliquer vite fait. Lolo. Laurent. Ah. En fait, je t'explique. Bon, j'ai couché avec elle, elle m'a donné des morpions. Et ce soir, je voulais venir lui rendre. Est-ce que c'est possible que je passe à la baraque vite fait? Ah là là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Putain, je le sentais pas de toute façon à la voix. Non mais qu'est-ce qui vous arrive? Je le sentais pas. Bah, alors ma gueule, mais qu'est-ce que ta gueule, qu'est-ce que t'as fait? Alors en tant qu'arbitre du clash, je voudrais vous poser une question, mais vous avez été si performant lundi et vendredi et mercredi, mais que se passe-t-il en ce moment? Ouais, mais là je sais pas, la famille là, je la sentais pas quoi. Fais un autre tour. C'est le dernier tour. Vas-y, le tout dernier. Remets une tournée, chef. Je sens que là je vais serrer là. The last one. Là, y a pas moyen là. Attention.
Allez-y. Ça, t'as bien vu qu'il n'y avait pas moyen avec les familles. Ouais. Ça, ça, c'est clair pour toi. Ouais. Sam et Thomas, encouragez Cédric et Romano, vos poulains. Thomas. Sam. Allô, Pascal. Oui. Ouais, comment ça va, Pascal? Allô, Pascal. Pascal. Il a dit allô. Il a dit allô. Pascal. Il a dit allô, ouais. Ça, allô, Pascal, c'est Michel, s'il te plaît, parle. Je crois que je vais bander. Oh. Allô, Pascal. Ouais. Allô, Pascal. Il a dit allô, il a dit allô. Oh putain, Pascal, prends le téléphone, bordel. Tu vas me faire perdre. Pascal, je vais passer un week-end de merde à cause de toi. Les victoires du PSG 3-1. Passe-moi ta femme, Pascal, le PSG a gagné. La victoire de Cédric, c'est moins sûr. Pascal. Attends, toi, c'est pas fait non plus, Romano. Attends. Prends le téléphone, Pascal. Mais alors, je vais demander à la. Qui a dit allô, hein. Ouais, bon, bah, Pascal. Oh putain, Pascal. Non, non, c'est Thomas qui a dit allô. T'as vu comment ça fout là, ta gueule. Non, mais c'est. Bah, arrête ton cirque. Bah, je te dis, c'est Thomas qui a dit allô, je l'entends. Arrête ton char, baignure, et prends ta trottinette. Waouh. C'est quoi cette vanne? Bon, Thomas, de la team Le Belge, qu'est-ce que tu penses des trois appels de Cédric? Il y a pas serré, mais bon, faut voter Cédric quand même. Bon, d'accord. Franchement, celui que je même kiffe le plus, c'est le dernier. Romano, c'est pire. Oui, appelle-moi Ronaldo, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Romano, à toi. Olivier, ah, c'est vrai que c'est pire. Dernier coup de fil. Si tu sers pas, ça va être compliqué pour voter quand même. Hein. Pour l'instant. Ouais, bah, tant que le mec il dit pas juste allô et il était derrière, ah, ça c'était jouissif, quoi. Ah, tu nous as fait une petite danse sympa, ouais. Allô? Allô? Oui? Olivier? Olivier? Non. C'est qui? C'est sa femme? C'est ta femme? Oui. Oui, il est là? Ah non, il est au boulot. Ah merde. Parce qu'en fait, je t'explique, j'ai couché avec lui là pendant ses heures de pause. Allô? Allô? Oh merde. Ah ouais? On était pas loin là. Putain, on est à la merde là. Là, je vous le dis. Franchement, entre nous. Parce qu'on se dit tout dans l'émission, on est quand même un peu dans la merde sur ce coup. Je sais pas si c'est passé. Quatrième tour. T'es en train de sauter. Non mais Cédric, tu vas te retrouver au rez-de-chaussée là, fais gaffe. Ah c'est bon. Il saute sur sa chaise. Non là, c'est dur à dire, mais tu sautes sur ta chaise. Eh ouais, putain, c'est bon ça, parce qu'il juste. On peut dire il saute comme une pute. L'autre il a fait comme moi, quoi. Exact. Eh mais t'en as pas marre de vivre ma vie, toi. L'autre je me fais raccrocher. En effet, ce soir, Romano, tu trouves que tu vis la vie de Cédric. Ouais, bah c'est évident. Pourquoi? La vie de loser, comme moi. La vie de la loose. Premier appel, sert pas, il sert pas. Deuxième appel, pareil. Troisième appel, mec qui dit allô, me raccroche la gueule et lui fait pareil. Et quatrième appel, il va se passer quoi? Parce que je donne un quatrième tour. Hein. Ah ouais, vas-y. Bah oui, oui, on va faire une belle ah bah comme ouais, ça. Ouais, ça serait con. Oh putain, ça serait bon que je gagne. Oui, alors je. Merci attends. Pour le beau attends, message. On va voir mon pote. Il y a Angers du 11 qui dit quatrième tour, c'est fait. Oui, quatrième tour pour Belage. Allô, Davy. Oui. Comment ça va, Davy? Croquettes. Ça va. Ah bah nickel. Ta femme, elle est là, s'il te plaît? Dis-lui que tu me fais des croquettes avec lui. Ouais, parce qu'en fait, j'ai besoin de lui parler. Ah ouais. Parce que je viens d'acheter un tout nouvel aspirateur là, high-tech, et puis bah, j'aurais bien aimé qu'elle vienne faire un peu le ménage chez moi là. C'est qui l'appareil? Tu dis que c'est Michel. Michel? Ouais, Michel, son amant. Ouais, mais elle dort, je crois. Elle dort? Ouais. Oh putain, je voulais lui faire l'amour ce soir. Puis ça le dérange. Ouais. Bah, je peux, à la limite, je viens de faire l'amour à toi. Bah, si tu veux. Ah, bah écoute, nickel. Enfin. Ah, bah... merde. Eh ben écoute, j'arrive. J'arrive dans 5 minutes. Enfin, un serrage. Je te fais des gros bisous, mon chéri, j'arrive. J'achète des capotes, je débarque. Ouais. On va faire l'amour toute la nuit. Bisous. Alléluia. Voici le premier serrage de la soirée. Cédric. Je m'en bats les couilles, je demande. C'est bon. Arrête de sauter, Cédric. Je suis trop content, toi. Tu vas te retrouver au parking si tu sautes. Ah non, mais c'est clair. Je vais le baiser ce soir. Ah. Je te la mets dans les fesses. Enfin, un serrage. Ah non, certainement pas, non. Oui, Thomas, oui. Eh, Thomas, t'as entendu ma gueule? Ma team Le Belge, on est ensemble. Attends Cédric, parce que Romano il est pas encore passé. Ah ouais, c'est vrai. Eh Marie, t'as entendu le serrage? En général, ouais, j'ai entendu. Franchement magnifique. Ouais, mais bon, vaut mieux pas trop l'ouvrir, tu sais, avant. Alors Romano. Là, il est bon, sa grande gueule là. C'est tout pour le tout, quoi. Le tout pour le tout. Là, je te baise là, ça. Hein. Attends, pas sûr, gros. Il hein. Y a pas encore eu les votes. Hein. Pour l'instant, t'as rien fait. Allô? Allô, Christian? Oui, c'est son fils. Ah, est-ce que ton père serait disponible? Oui. Merci. Oui, je vous le passe. Très bien élevé. Allô, oui, bonsoir. 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 Bonsoir, oui. Oui, bonsoir, c'est Christian. Oui, c'est cela, voilà. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va bien. C'est cela, oui. Elle est là, ton épouse? Pourquoi? Ah bah parce que je me présente, Jean-Louis. J'ai par moments des aventures avec elle. Ah bon? Oui, et en fait je t'explique, petite galère lors de notre dernière relation, elle m'a donné des morpions.
Et ce soir, je voulais venir lui rendre. Ça te dérange pas que je passe à la maison ? Non, non, c'est bon, ça va. Merci. Ah, ça va, mais je veux quand même lui rendre. Hein. Mais bien sûr. Oui, donc je vais passer dans 5 minutes, là. Mais bien sûr. Comme ça, je recouche avec elle pour lui rendre. Et puis après, elle t'en passera si elle veut, quoi. Écoute, je vais venir. Ok, viens. Oh, merci Christian. Non, je t'ai reconnu, Samy. Non, non. Je t'ai reconnu, Samy. Non. Vas-y. Il y a de la triche là. Ah, c'est Samy là. Non, ouais. C'est pas moi, gros. Merci, monsieur l'arbitre. Moi, merci, moi, je suis rien. Merci, Christian. J'ai cru à un moment qu'il était dans le studio. Thomas. Oui, c'est pas c'était Samy. Est-ce que je peux avoir mon supporter? Eh, Thomas, tu veux pas insulter Samy là? Il triche, il essaie de se faire passer pour les familles. Mais n'importe quoi. C'est bon, il a serré un serrage partout, les gars. Oh, Paris, ici, c'est Paris, ici. Oh, fuck l'OM, fuck l'OM. Ah, t'es bon, Thomas, tu kiffes. 3, t'as vu, ils ont gagné le PSG. Problème de géographie, mon pote, j'habite à Lille, j'habite pas à Paris. Non, mais alors, c'est pas Paris ici, c'est Lille, alors. Alors, on fait un petit point d'ailleurs tout de suite avec les... Bah, Jair, enfin, serrage pour Romano. Non, c'était pour moi, la goal serrage. Qu'en pense la team Romano, qui est représentée soit par Sam, Sam? Alors, Sam, pas trop dégoûté? Mais c'est bon, parle bien. Non, mais, bien. Gros, putain, on dirait qu'il est en dépression. Non, mais t'inquiète, Sam. On peut le faire quand même. Eh, si tu veux, Sam, change de team ce soir, hein. Tu peux venir dans la team de Belge. Nous, c'est une famille, t'es le bienvenu, mon pote. Des cinglés. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit. Famille de cinglés. Famille de cinglés, ouais, mais nous, on a serré ce soir. Allez, les déclarations, à vous. Allez, vas-y, musique. Allez, musique. Bon, ce soir, ma team de Belge, on est tous ensemble. CEDRIC, je pense que c'est le vote à faire ce soir. Moi, j'ai serré une famille tranquille. Romano n'a strictement rien fait. Il se l'a raconté au début du clash. Moi, je vous aime très fort. Ah, mais je continue. Hein, pour le moment, je te baise. N'hésitez pas sur Twitter à rejoindre la team Le Belge. C'est @lebelge. On est ensemble. Je vous aime très, très fort. Et un gros big up à ma team package. Mais ça y est, pas méchant avec lui, sinon il vous bloque. Bah, attends, t'es sérieux, toi? Eh, ma team Le Belge, allez insulter Romano un petit peu sur Twitter. Ça lui fera plaisir. Moi, je vous follow, moi. C'est Romano 2 Skyrock, c'est ça? Ouais, 3. Romano 3. D'accord. C'est bon pour la déclaration? Ouais, ouais, allez l'insulter un petit peu, il aime ça, lui. Merci, Romano, à toi. Bon, mes amours, ce soir, je vais avoir besoin de vous plus que jamais. Mais on s'en fout, il fait beau, il fait chaud, faut voter Romano, c'est les vacances, c'est le week-end. Romano, envoie la musique de jeu. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Romano, il faut voter Romano. On peut le faire. Romano, il faut voter Romano. C'est le week-end, c'est les vacances, votez Romano, il fait beau, il fait chaud, votez Romano, ouais. Top vote, c'est parti, 22h28 pile, tiens, bah vous avez 5 minutes pour voter, je vérifie auprès de Thomas. Thomas, tu votes Romano? Ah ouais, non, vote, il vote ouais. Le même. Romano. Tu votes pour qui? Cédric. Ah, merci ma gueule. Romano, il faut voter Romano. La team de Romano, elle est en dépression. Allez, non, ça va, t'inquiète, hein, je garde le... Ouais. Et Sam, tu votes pour qui? R-O-M-A-N-O. Okay. Romano, ouais. Allez, c'est parti. Hey, on a eu du mal, mais on y est arrivé. Les résultats du clash dans un instant, ils ont réussi à serrer. Votez Romano. On a réussi à serrer dans la team Le Belge. Pas au premier, pas au deuxième, pas au troisième, mais au quatrième coup de fil. Et ouais, la même, surprise, hein. Quoi. Plus c'est long. Allez. Et plus c'est bon. Allez, allez, on vote Le Belge ce soir. Allez, votez Cédric, la famille. Top vote et le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'on se met? Soprano, j'avais dit. Hein. Mmh. Allez, Soprano, on écoute Fresh Prince. Vous avez 5 minutes pour voter à partir de maintenant. C'est parti. Les résultats du clash de la drague de ce soir. Qui a gagné le clash? C'est si peu serré que ça, Momo. Je suis étonné, parce que moi j'avais l'impression que c'était super super serré pour le clash de la drague. Ah bon? Oui, car les résultats donnent 70% à 70% aux gagnants. Ah non, putain, j'ai pas 30, c'est pas possible. Et 30% aux perdants, putain, du clash. C'est logique, gros, j'ai serré, t'as pas serré. 30. Momo, non, viens voir. Il y a un problème. Samy, moi, ça vante pas une vie, Samy. Non, mais par contre, là, moi je voyais ça. Quoi qu'il arrive, je voyais ça plus serré que ça. Ah ouais, moi aussi, ouais. Momo, t'es sûr qu'il y a 70-30? Momo a fait, bien fait le travail, comme sûr. Désolé, je mangeais. Ah, donc je suis sûr et certain, désolé, je mangeais. Ah, Momo, il a. Vous voyez comme il est moche? Adèle a la braguette ouverte. Faites gaffe, Fifi, parce que Momo, il va vous gratter un truc. Je peux gratter le cul. Et je sais pas ce qu'il va vous gratter, mais il a la braguette ouverte. Ah ouais. Ouais, elles ont gardé. Momo, il fait respirer le matos, quoi. Alors, les résultats du clash de la drague de ce soir. C'est le Momo style. Donne.
la victoire avec 70% des voix. Vas-y, annonce la victoire. D'ailleurs, c'est là, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, là, si vous n'êtes pas au courant, c'est la belle. Non, mais de toute façon, moi, je demande un recomptage quoi qu'il arrive. Cédric, recomptage quoi qu'il arrive pour Romano. Cédric a gagné lundi, Romano a gagné mercredi. Et aujourd'hui, avec 70% des voix, c'est. Voilà. Romano qui gagne. Eh oui, j'allais sur moi. On t'a baisé. Ah ouais, c'était pas serré en fait. Ah non, pas du tout. Bah non, moi je pensais que c'était serré, moi aussi. Ouais, c'est très bien. Eh, tu voulais un recomptage, on va recompter. Ouais, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Eh, de toute façon, vous avez vu les filles, comment il est. Espèce de saloperie, va. Ah, ça fait plaisir parce que l'autre il y croyait trop. Mais normal, gros, t'as pas serré. Il a pas serré. Non, mais ouais. Par contre, je t'ai baisé. Ça, c'est cool. Écoutez en bas. Ah, il mérite pas de gagner. Insultez-le. C'est parce que toutes tes fans étaient dans le studio, Cédric. Bon, victoire de Romano, 70-30. Donc, non, mais c'est bien, toi, t'as des fans dans le studio, moi, j'en ai pas. Tu vois, console-toi. C'est quoi ce bordel, nous dit Léonard? Eh bien, victoire de Romano, 70-30. Bravo, Romano. Le bordel, c'est que j'ai gagné. Bravo. Cédric, tu veux venir sur la photo parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de t'y revoir. Non, mais tu me caches. Vas-y, si tu veux. Tu me caches. Ah, ouais. Ah, ton bouton, tu veux le cacher? Dégoûte, quoi. Ah bah le bouton aussi, hein. Ouais, ah bah oui, clair, ouais. Pareil. J'ai envie de te taper. Bon, merci pour tous les votes, vous avez voté comme des oufs bah, ce merci soir. Merci la team Romano. Ça fait plaisir. Une fois de plus, vous êtes la meilleure. Et lundi, on remet ça. La team Le Belge, vous êtes à 30%, quoi. On va faire la photo avec les fans de la team Le Belge qui sont là ce soir. Ah non, mais je refuse. Et les fans de Chris Cab aussi. Allez. T'as chanté les Chris Cab. Je préfère que t'annonces les fans de Chris Cab. Les fans de Chris Cab sur la photo avec Cédric et Romano, là, pour le bouclage de ce soir. Au milieu des femmes. Oh, il est chaud, le prince du hip-hop. C'est ouf, ça. Bon, Mamou, en direct de Saint-Brieuc avec nous. Ça va, Mamou? Allô, bonsoir. Bonsoir, Mamou. Salut. Salut, Mamou. Salut, l'équipe Marie, Cédric. Salut, Mamou. Salut. Coucou. La photo sur les réseaux sociaux, là, dans un instant. Là. Ah. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Mamou? Dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi. En fait, je vous explique mon problème. En fait, moi, j'ai un gros problème, j'ai un gros manque de confiance en moi.